be that young rapping dude. Might just trap with you. Coming with the thunder, baby. Might just clap your crew. I roll out in the morning light. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Wanted, j'espère que vous avez la forme, et en tout cas pour ma part, ça va plutôt bien car aujourd'hui je vais vous faire une brève présentation du PlayStation VR, le nouveau missile atomique de Sony. Avant de débuter cette courte vidéo, je tiens tout de même à préciser pour ceux qui ne sont pas encore au courant que le PlayStation VR dont l'image va s'afficher à l'écran maintenant est le casque de réalité virtuelle créé par Sony qui est déjà commercialisé. Malheureusement pour les petits curieux, sachez que même s'il est déjà possible d'acheter ce casque, il n'est pas encore possible de l'utiliser car sa date de sortie officielle est tout simplement fixée au 13 octobre 2016. C'est donc alors uniquement une précommande. Le PlayStation VR est annoncé comme étant compatible avec déjà pas mal de jeux, mais pour l'instant Call of Duty Infinite Warfare n'a pas encore été annoncé comme étant compatible et les développeurs disent qu'il ne le sera pas. Ce sera donc sûrement pour le prochain opus. Certains ont pu déjà tester le PlayStation VR à de grands rassemblements tels que l'E3 où la tendance était à 95% à la réalité virtuelle. On peut dire que ça fait quand même beaucoup. Passons donc maintenant à ce que nous propose ce casque de réalité virtuelle. Loin des images filmées par Squeezie lors de son immersion dans le HTC Vive jouant à Job Simulator, les graphismes du PlayStation VR seraient 100 fois plus prometteurs et la qualité serait quant à elle 3, voire 4 fois mieux selon les internautes l'ayant essayé. Maintenant j'avais une petite question à vous poser. Imaginez-vous un futur avec le PlayStation VR dans le Call of Duty, oui ou non? A savoir que cet article vaut en ce moment même 399€, serez-vous prêt à acheter le PlayStation VR ainsi que les jeux compatibles rien que pour votre pur plaisir? Pour ma part, je ne suis pas encore certain de dépenser ces plus de 400€ pour pouvoir jouer en immersion totale, mais je dois vous avouer que ça me tente quand même pas mal. Imaginez-vous juste le temps d'une seconde équipé d'un simple casque sur la tête et pouvoir vivre la guerre à la première personne comme si vous y étiez vraiment. Avouez que c'est quand même plutôt tentant, non? En tout cas, pour le moment, rien n'est certain, mais d'après quelques rumeurs qui courent, le prochain opus de Call of Duty pourrait être compatible avec ce fameux PlayStation VR. Et voilà, cette petite vidéo concernant le PlayStation VR est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à répondre à mes deux petites questions dans l'espace commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker ma vidéo et pourquoi pas à venir vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir, surtout que je tente en ce moment même d'atteindre les 600 abonnés. Je précise aussi que je vais tenter d'envoyer cette vidéo à code QG et je remercie énormément Vince et Tizo s'il déciderait de m'upload. Et puis c'était tout pour ma part, je vais vous dire à toutes et à tous à très bientôt, c'était Wanted, peace.